C'est exact. Vous auriez pu aussi dire une bouche de métro. Oui, enfin, nous ne sommes pas à 25 mètres près. Hein. Je continue. Oui, je vous écoute. Une gourde. Ah, alors là, excusez-moi, mais je refuse de jouer à ce jeu. Écoutez, non, 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 vous auriez pu dire Le Pen. Ah, mais enfin ça, excusez-moi, mais tout le monde y aura pensé. Bon, d'accord. Attention, objet suivant, une scie sauteuse. Ça vous fait penser à quoi? Une scie sauteuse, expliquez-moi un petit peu, parce que je ne sais pas tout. La scie sauteuse. Une scie sauteuse, c'est comme une tronçonneuse, c'est ça? Exactement, c'est ça. Alors, on me souffle en régie. Parlons. Merci. Gloria Lasso. Oui, je comprends pas, là. Eh bien, si, si, c'est très, très simple. Gloria Lasso. Parce que scie sauteuse, il y a... C'est bien elle. Ouh là là. Elle vient de loin, celle-là. Oui, elle vient de mes tripes, là. Elle vient directement de mes tripes. C'est cela. Denise, détendez-vous. Je continue. J'essaie, c'est pas facile. Plus loin encore, une boule de pétanque. Alors, une boule de pétanque, je pense à... comment s'appelle-t-il? Vegeter. Sans la moumoute qui écrase les prix. Ah non. Non, c'est pas non, ça. Non, 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 là, je suis désolé, vous avez tout faux. C'était Vanessa Paradis. Effectivement, on prétend que lorsqu'elle chante, elle a autant d'expression qu'une boule de pétanque. Alors, excusez-moi, je ne suis pas d'accord sur la définition, mon cher Jean-Marie. Ce n'est pas encore une boule de pétanque, ça n'est qu'un cochonnet pour l'instant. Oui, c'est-à-dire, je crois que nous allons arrêter, ça vaudra mieux pour tout le monde. Écoutez, j'aimerais bien qu'on passe tout de suite à un autre jeu, on y va? Non, 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 je ne vous propose pas un jeu maintenant. Nous allons regarder ensemble Droupi qui nous chante Vadoville.